Eh bien, salut à tous et bienvenue, je suis LinkLogis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure Senran Kagura Pitchy Bitchy Splashy. Ouais, on est de retour. On est de retour pour l'apogée P1. On est à la mission 11 sur 14, autant dire qu'il est très probable qu'on finisse cette série de chapitres aujourd'hui. Est-ce qu'on débloque quelque chose après? J'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, on y va. Chapitre 11, Yosakura qui nous dit « La nuit tombe, je vais préparer un bon petit plat, un mets hyper gastronomique qui vous revigorera. Et il va falloir battre les Hanzo. » Ok. Ok, ok. Eh bien, allons-y. Allons-y, allons-y. Ouais, parce que jamais partir le ventre vide. What the fuck? Yosakura. どれだけ料理の腕を上げたのだ。違います。その皿にはキャベツの丸ごとにが入っていました。え、でもマジ何もないって。What?気がつかない間に他のお皿も空っぽになっちゃったよ。これは一体。なぜこの楽園を拒む。その声はメイユ。あなたがヨザクラちゃんのデカ盛り料理を消したの? あの美味しい料理を独り占めするつもり?うまい料理を食べることができるのも、すべては現実、未来があってのことだ。この島から出れば、お前たちに未来などない。真に滅ぼされるのだからな。なら、料理なども必要ないだろう。そんなことのために、わしが気持ちを込めて作ったデカ盛り料理を、 みんなに食べてもらいたかったのに。今の料理は3年でしたが、夜桜さんの気持ちは十分に伝わっています。この島から出たら、また美味しいお料理をお願いします。ユミ。ユミよ。なぜお前はそこまでこの楽園を拒む? シンがどれだけ強いのかは分かりません。もしかしたらあなたの言うように私たちでは手も足も出ないのかもしれません。ですが私たちは困難に対して背を向けたりはしません。強大な敵にこそ立ち向かえ、そう教わってきましたから。教わった?そうか。お前たちの死は黒影だったな。では聞く。 Aventure sur un terrain dangereux, mec. Il faut te péter la gueule si tu commences à aborder ce sujet. クロカゲおじいさまの死が無意味だったかどうか、それはこれからの私たちの生き様が決めるものだと思っています。何度聞かれてもはっきりと答えましょう。私たちは この島を出ます。そして忍びとなり、真と戦います。立ち止まった場所に未来などありません。未来は足を進めた先にあるのです。それが私の答えです。さあ、皆さん、行きましょう。私たちで虹の橋を作るのです。ふん、ならばやってみるがいい。どれだけ意気込んでも、 Bon. Ça va, elle a été soft. Je pensais qu'elle le défoncerait un petit peu plus. Allez, on y va. C'est parti. Direction avec Yomi. Du coup, on va se battre contre les Hanzo, de ce que j'ai lu rapidement. Oui, il m'a semblé que c'était ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est possible, hein. Mémoire passant rouge, tout ça, tout ça. Du coup, je sais pas s'il y aura quelque chose après l'apogée P1, j'avoue, j'en sais rien.
J'y réfléchissais, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on va débloquer quelque chose une fois avoir fini ça? Bah, dans un sens, j'aimerais bien. Parce que bah, c'est toujours cool de débloquer des histoires supplémentaires. Ça, je dis pas, et pour le coup, même si on finit l'histoire, hein, ce sera pas de suite à la fin de l'aventure, puisqu'il y aura quelques trucs qu'on se fera ensuite, vous verrez bien. À l'instar de, par exemple, Shinobi Versus, où après avoir fini les histoires de chaque école, on fait les histoires de chaque personnage. Et bien là, il y aura un petit peu pareil, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment la même chose, mais bon, bref, vous verrez bien. On va pas trop en dire. Ah, bon, j'allais monter. Non. Oh putain! Il y avait une Ahsoka dans mon dos! Wouhou! Mine de rien, là on la sent la difficulté. Ça commence à être chaud là, les combats sur ce chapitre, ça commence à être vraiment chaud. En même temps, bah, si c'est le dernier, hein, en même temps, ce serait logique. Hein. Mais voilà, ça, voilà, je le dis, ça, je commence à sentir la difficulté du truc. Jusqu'à maintenant, on s'en sortait plutôt bien, c'était plutôt easy. Donc, on a fait un petit bouclier avant d'avancer. Oh, j'ai tapé au milieu de tout le monde sans toucher personne. Ça, c'est quand même la tristesse. C'est quand même la grosse tristesse. Allez. C'est loin, c'est bon. J'ai cru que c'était moi qui m'étais fait choper. Elle est où? Vengeance! Piu piu, motherfucker! Piu piu! Allez, on bouffe! Yagyu, tu me laisses tranquille. Voilà, merci. C'est pas parce que j'ai défoncé Ibari que hein, tu vas m'attaquer. Toi aussi, tu vas payer. Oui, on remarquerait que Yumi a un piou piou orange. Voilà. Ouais, voilà. Ça change rien, c'est juste la couleur qui change. Allez, non, mais je vous enchaîne là, what the fuck? Je vous défonce. Allez, ça doit pas être facile. Hein. Ça doit pas être facile de parler quand tu te prends un jet d'eau dans la gueule comme ça. Bon, il en reste deux. Dont une qui est là. Et l'autre, je sais pas où elle est. Ouais, pour l'instant, je m'éloigne un petit peu, histoire de prendre un peu de hauteur. Ok, je vois les deux. Il y en a une sous moi qui est là, Katsuragi. Et il y a Ahsoka qui est juste là. Allez, c'est bon, elle est midlife. Non! J'allais faire exactement la même chose. J'allais attaquer dans le tas. Pop. On se calme et on me laisse tranquille. Watata. Ouch. Ah mais il y a une tourelle là, j'avais pas vu. J'avais pas vu la tourelle. Hop là. Allez viens Yuasakura. Reviens vite. Vite, hop là. Qu'est-ce que tu penses de ça, Katsuragi? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que tu vas bouffer de l'eau. Blablabla. Non mais... Allez, il reste plus qu'Ahsoka. Elle est où? Non, ça c'est un PNJ aux oeufs. Ils ont bouffé un PNJ aux oeufs dans la gueule. Ouais, bah voilà, celui-là. Notamment. Saleté!
Non, non, là, elle est là, elle est là, elle est là. Non, elle est plus là. Je l'ai perdue, elle est là. Là. Oh, elle fait exactement... elle a fait exactement la même chose que moi. J'allais attaquer dans le tas. Bon, elle est où? Elle est là. Elle est où? Elle est partie où? Elle est là. Tiens, je t'ai défoncé, non? Non, mais... Ouais, t'as été battu, je t'ai défoncé. Bon, tu m'as enlevé 2 vies avant. Non, mais... Pas se laisser emmerder par Soka, là. Bon, ça, c'est fait. C'est rare de voir Yumi baisser les bras comme ça. Câlin général. C'est très bizarre dit comme ça. C'est vraiment... Cette scène était très bizarre. Autant au début c'était mignon, autant ça, ça a fini c'était bizarre. Non, en vrai, je pense pas. Je pensais à un truc, mais je pense pas. Puisque il faut savoir. Oh, B, je me suis fait éclater la gueule. Je crois que c'est la première fois qu'on a un B. Mais du coup, ouais, chose à savoir, c'est que les leaders de chacun des groupes, alias donc Yumi, Asoka, Omura et Miyabi, ont toutes une. On va dire un genre de. D'une espèce de transformation, on va dire ça comme ça. Et du coup, je m'attendais à ça, puisque celle de Yumi.
disons que le fait qu'elle, passe, qu'elle parlait de, d'une lumière éclatante, etc., ça m'y a fait penser. Mais bon, apparemment, non. Ce serait classe, cela dit. Ce serait très classe. Allez, chapitre 12, les fleurs de lotus. Les fleurs de lotus, pour que faire? Est-ce que ce serait un coup avec Renka, ça? Je pense pas, mais... Homura-chan, doushitano? Muzukashi kao shite. Homura-chan, narenai koto o suruto onaka o kowashimasu yo. Narenai koto to wa nanda? Watashi ga atama o tsukatte wa ikenai no ka? Ja, nani o kangaete ta no? Tatakai to wa nani ka da. Oh, zuibun to tetsugakuteki ya na. Iroiro to kangaete mite wakatta. Katsu to ureshikute.負けると悔しい。それが戦いだ。随分と子供っぽい結論に落ち着いた。バカにするな。そこからさらに考えてみたんだ。へえ、聞きたい聞きたい。嬉しい悔しいはアスカとの一騎打ちの後に感じることだ。しかしお前たちと一緒に何かと戦っている時は全く別の感情が湧いてくる。 Oui, bon, le pouvoir de l'amitié, tout ça, quoi. Ikage pleure. Je pleure pas, je transpire des yeux. Ah pardon. Excusez-moi. お腹が空いてしまいますから。本当やね。恥ずかしいから泣かせないでほしいわ。思い切りお腹を空かせばいいさ。 この島から出たらみんなで焼肉パーティーだ。お金はたんまりあるしね。その通り。みんな行くぞ。私たちの力でさっさと虹の橋を復活させるんだ。 Oh là là, je pleure pas, je transpire des yeux quoi. Non mais sans déconner. Oh, c'est excellent. Homura a l'air plutôt mal en point, il lui faut du potassium, des pousses de soja. Battez les Gessen. Ah, les Gessen. Moi, oh, j'aurais pensé qu'on affronterait les Hanzo, mais bon, pourquoi pas. Pas les Hanzo, les Bijo. Puisque les Hanzo, là, on les affrontait avec les Gessen. Bon, écoutez, hein. Ah, mais non, mais sans déconner. Ah, je vais pas m'en remettre. Allez, mesdames. Let's go. Poule. Oh, touché. Bon, c'est pas du tout toi que je visais. Du moins que je voulais viser. Poule. Ah, putain, je me... C'est qui le con qui a foutu un rebord juste à côté de mon chantier? Oups, putain, la mine. Touché. Touché. Raté. Ah bah non, j'ai tapé la tourelle qui était à côté. Tristesse. Mais... Tiens et tiens. Combo.
Non mais... Ah putain, je pensais que j'aurais la ligne de tir. Tiens ! Ah mais je m'en fous de ça moi. Bon. Voilà, ça c'est fait. Ouh petit pou. Non, 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 laisse-moi. Tiens. Ah, j'ai plus d'eau. Tiens. Non mais. Raté. Je suis protégé pendant l'animation, tu peux pas tester. Allez, ouh yeah. Bon par contre, il y a Shiki qui est juste derrière moi, hop là. Bon, bloquer les petits. Ah, elle est là. Non, c'était pas elle. Elle a raté son saut. Si, c'est... Oui, voilà, elle était là. Touché. Elle est où? Je l'ai paumé. Non, ça c'est une mine. Ah, elle est là. C'est des mines. On va quand même les péter. Oh, t'es dug. Oh, t'es dug. Je te visais même pas, je t'ai eu. Oh. Allez, bouffe. Non mais... Et la dernière... Tiens. Oh la mine. Allez Minori, tu as bouffé comme tes potes. Tiens. Tiens. Non mais... Ah ouais, là tu peux te rajouter une victoire au moins, parce que bon, je les ai un petit peu éclatés. J'en ai éclaté 4, non? À moi tout seul, je crois. Hein. 4 sur 5, c'est plutôt pas mal. Plutôt bon score. Tellement défoncé, Yumi. Ah, et donc c'est là que j'imagine va arriver le dernier perso. お前たちが大きなことを言えるのは、ただ単に経験が少ないからだ。無知だから恐怖も感じない。ただそれだけのことだ。もっと身の丈を知れ。その程度の力で真と戦うなどと、少子千万だ。己、言わせておけば。 Elle marque un point quand même. Bon, rang S, 0 dégâts. Ça, c'est fait. Oh, paquet 2 étoiles. Fait péter. Bon, il n'y a qu'une carte à 2 étoiles. Bon, bah tant pis. Hein. Ça, on connaît. Attention. Bon, ouais, vas-y, c'est un habit. Eh, j'aurais préféré Renka. Deux sans ennemis. Et on a l'image toujours ensemble. Oh. Avec Ikage qui transpire des yeux. Chapitre 13. Naissance d'un mythe. Et pas une mythe, hein. Parce que c'est pas la même chose. Allez. このまま続けていってもいつ虹の橋が治るかわからないぞ。なんとなく分かってきたんだけど、あの橋一気に直すしかないみたいね。一気に？あの橋はちまちまと力を与えてもダメなのよ。ビーチボールにゆっくり少しずつ空気を入れてもなかなか膨らまないでしょ。
Donc ça va être du 5v5v5v5v3. En même temps. J'avoue que je les avais oubliés eux.俺が入ったところで爆発的な力にはならないだろう。そうね。もっと伝説級の力を持った忍びに加わってもらわないと。いや、伝説級の忍び?でも、いや、伝説級の忍び?でも、ここにいるぞい。ね。ぼ、あれだ。そ、その声は。そうじゃよ。私じゃよ。あれだ。 どうしてここに?メウの不穏な動きを察知していたんでね。この島に秘密裏に潜入しておったんじゃ。まあ、案の定こんなことになっちまったね。それならもっと早く出てきてくれればよかったのに。私はハレンチが大嫌いなのさ。またこのミズギでピュッピュに巻き込まれるなんざ。ごめんさね。まあ、今はもうそんなことを言っている場合ではないわの。 さゆり様、ここはぜひお手合わせをお願いします。さゆり様ではない。この姿の時はジャスミンとお呼び。あ、はい。ジャスミン様。まあいいだろう。水着で濡れ濡れなんざ性に合わないが、あんたらの真と戦う決意も分かったことだしね。だが戦うからには容赦はせん。本気でかかってこないと。 Donc techniquement, c'est du 5v5, du 20v1 là en fait. Ouais ouais, c'est du 20v1. Bon, finalement, ce sera que les chefs d'équipe. On a joué avec Komora, on a joué avec Yumi, on a joué avec Asuka il y a pas si longtemps. Ben, on va jouer avec Miyabi, je pense que ça fait un peu plus longtemps que j'ai pas joué avec elle. Donc, c'est bientôt leur tour d'entrer en scène. Je m'inquiète pour Asuka. C'est bientôt leur tour d'entrer en scène. Bref, battez Jasmine et on peut avoir un paquet à 2 étoiles, et ça c'est plutôt intéressant. Je pense que celui, le niveau là où j'ai eu un rang B, je pense qu'il y avait aussi moyen d'avoir un 2 étoiles, donc à l'occasion je le referai, histoire d'avoir un bon petit paquet de cartes. Allez, la naissance d'un mythe. Allez, donc on se bat avec... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dis-moi, mais l'autre, elle a un fusil à positron dans les mains, là. Ouais, voilà, mieux. Non, pas mieux. Tiens, 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 tiens. D'accord, c'est une mitrailleuse qui a l'air de faire masse dégâts. Voilà. Ouais, ouais, c'est bien. D'accord. Alors, vous n'y voyez que dalle? Bah, dites-vous que moi non plus. Hein. On va essayer de descendre par là. Mais évidemment qu'on va l'emporter. Oh là là. La question ne se pose même pas. Laisse-moi tranquille. Ouah, comment elle a défoncé tout le monde? Oh la vache. Bon, on lui a fait perdre la moitié de sa vie. Ah, Yumi, t'abuses! Non, non, non! Ah, je l'avais presque relevé! Saleté! Voilà, c'est bon. Je me casse! Occupez-la pendant que je relève les autres! La 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 la. Alors, oui, je ne voyais absolument pas ce que je faisais, mais au moins. La 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 la! Je m'en fous, ça marche! Allez, recharge-moi tout ça! Alors c'est pas du tout dans ce sens-là que je voulais tirer, mais c'est pas grave. Ouch. Oh yes. Oh. Aïe. Là c'est bon. Ah. T'as défoncé.
Ce serait stylé qu'on... qu'on finisse avec les transformations des 4. Ce serait classe. Ce serait très classe. J'aimerais beaucoup. Mais ça ne suffit toujours pas, c'est ça? Ah bon bah si. ようやくこれで帰れるのですね。大したものだ。さゆりの力を借りたとしても、虹の橋を本当に復活させるとはな。お前も分かっただろう。これが私たちの力というわけだ。いや、分かっていないのはお前たちだ。何？絶望というものがどれだけ人の心を折るのか。今から教えてやろう。 Qu'est-ce que... Ah d'accord. なんてことだ。今まで積み上げてきたものが無になり、全身から力が抜けてくるような感覚。どうだ。これが絶望というものだ。私が味わったのもこれだ。 真の本当の力を知った時、立ち上がる気力も失った。今まで忍びとして修行し、積み上げてきた自信と誇りが一瞬で無散したのだ。その時から私は考えを改めた。諦めることは悪ではない。逃げることも悪ではない。なぜお前たちは絶望に抗う？ 絶望から目を背けるという選択こそ、人が安心して生きる道なのだ。最後にもう一度言う。お前たちがこの島から出る術はないのだ。さあ、受け入れるがいい。 Sinon, on peut le tuer, hein. Ça réglerait le problème à ce mec. Excusez-moi, mais bon. Il devait un peu relou, quoi. Bon, rang S. On n'a pas passé les 100 dégâts, donc ça, c'est plutôt bien. Le paquet 2 étoiles qui fait plaisir. Allez. Bon, ça, les bleus, hein, évidemment. D'accord, Ryoki. Je... Si tu veux. Je... Oui, je... Hein, voilà. Bref. On a débloqué Jasmine, Shinamango, la tenue de Sayuri, tenue ninja Jasmine, tenue... Ok, on a débloqué plein de trucs. Nice. Et on y va pour le chapitre 14, le combat final. Ça, ça me plaît. Du coup, l'épisode d'aujourd'hui sera un petit peu plus long, mais bon, combat final. Nope. もう一度戦おうよ。また虹の橋を直さないと。バカかお前は。お前たちが橋を直せば、私はまた橋を壊すだけだ。そうしたら、また直すよ。ならば私はまた壊す。それでも私は直す。私は壊す。お前たちが諦めるまで絶望を与えてやる。何度でも、何度でも。 Non mais mec, t'as pas compris en fait. Elle est juste complètement conne. <笑>何がおかしい？なんかすごいね。楽園を作るのに全てをかけてるっていうか。貴様、私をバカにするか？いや、absolutely、そう、ふっ、たげる。メウンさんって熱い人なんだなと思って。なんだと？だから余計に思うんだけど、どうして その気持ちを絶望に立ち向かうことに使えないの？ならば逆に聞く。死ぬと分かっているのに、なぜお前たちは真に立ち向かう？そんなの決まってるよ。
私は忍びだから。みんながみんな真に立ち向かえるわけじゃない。だから立ち向かえない人たちの代わりに私が戦うの。そのために苦しい修行に耐えてきたんだから。命運、お前は言ったな。絶望から目を背けるという選択こそ人が安心して生きる道だと。その言葉に私たちは当てはまらん。なぜなら私たちは人ではないからだ。私たちは人ではなく忍び、安心して生きる道など必要ない。お前たちは死ぬのが怖くないのか。私たちも死ぬのは怖いです。でもただ生きているだけの人生はあまりに虚しくないでしょうか。私はその虚しさの方がもっと怖いです。うん、そうだね。だから私たちは戦うんだよ。熱く強く生きるために。いいだろう。ならばもう一度だけお前たちの戦う姿を見てやる。え？もし真に勝てそうな可能性がお前たちから感じられたら。Quoi, c'est aussi facile que ça? 島から出してやろう。その言葉忘れるなよ。私たちの熱い戦いで度肝を抜かすがいい。やりましょう皆さん。命運さん、私たちの姿をしっかり見ていてね。Genre vraiment c'est aussi facile que ça? Ouais bon en fait je vais vous juste vous regarder puis peut-être que je vous laisserai partir en fait. Ah là 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 là. Je vous jure. Je vous jure. Je m'attendais un petit peu plus épique là quand même hein. Bon. Chapitre 14 donc, combat final. Dans le dojo de nuit. Allez, c'est parti. Alors ça a failli être terrible. Éliminer les ennemis, d'accord, faut juste combattre des vagues de mobs, j'imagine. Évidemment. Oups. Hop 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 hop. Toi tu te calmes de suite. Ce foutage de gueule. Ouch. Tiens. Non mais. Oh, saleté, elle l'évite au dernier moment. Non. Ah, bravo Ahsoka. Hein. Bon, il y a Yumi qui va se faire avoir aussi d'ailleurs, elle a quasiment plus de vie. J'aimerais réduire un peu le nombre de mobs. Ouch. Et aller relever Ahsoka ainsi que Yumi. Bon, vite. Avant que le truc qui repop nous arrive dessus. Il y en a une qui est arrivée, elle a plus le temps de faire trop de dégâts, ça va. Ouch. Wouchaka. Il y a du monde. Bon, toi tu dégages. Bon, ça va être un combat d'endurance hein, de toute façon. Saleté, arrêtez. Mais si on l'a eu, c'est bon. Raté. Santé. Et j'ai plus d'eau. Bon, Miyabi qui s'est fait mettre au sol. Toi, tu restes là-bas.
te le dis direct, tu restes là-bas. La tourelle, c'est géré. J'aimerais choper l'autre tourelle qui est là. Bon, ouais, c'est bon. Il y a une autre tourelle derrière. Ok, c'est géré. Allez. La 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 la. Ouch. Bon, le midlife, mais c'est bon. Alors qu'est-ce t'en dis, Michel? Convaincu? Ou pas? Non, parce que sinon on peut t'en remettre une deuxième couche, hein, histoire d'être sûr. ああ、鹿とこの目に焼き付けた。それじゃ。ダメだな。お前たちの力は感じられたが。ああ、いれ、relou en plus。そんな、ここまでやっても駄目なのですか。だが、わずかではあるが、可能性は感じた。そこで。 Oh, le mec relou jusqu'au bout. Final splash. もしもの時に用意しておいたこの島の切り札だ。キリアとリンよ。この場にいる者たちをあそこに連れて行け。この島の切り札とは。 Et genre ils vont nous amener là-bas, sachant que le mec est quand même un grand con. Tamashii no koto nara mondai nai. L'âme? Quelle âme? キリフダの場所までは飛行マシンで行くことになる。戦うことに恐怖を覚えたら、そのまま島の外に逃げても構わないぞ。もう止めはせぬ。なめてもらっては困る。私たちはお前を納得させた上で、堂々とこの島を出ていく。出なければ意味がない。 Du coup, est-ce qu'on débloque une nouvelle série de chapitres? Bon, en tout cas, paquet de 2 étoiles, ça c'est plutôt bien. Oula, oula. Et... évidemment, un habit. Je vais pas en avoir une seule de Renka. Ah là là. Et du coup, chapitre bonus, nouvelle série de chapitres. Ah, une nouvelle histoire, le Final Splash. Et il y a un seul combat. Mais on fera ça dans le prochain épisode, puisque c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et j'espère que vous serez présents pour le splash final. J'ai hâte. J'ai hâte de le terminer, ce petit combat là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à la commenter, à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour, très probablement, la fin de l'histoire. Mais d'ici là, portez-vous bien, et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.